Bienvenue dans cette édition de Mosée écrit, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains, aux poètes et à leurs œuvres. Nous sommes aujourd'hui à Maïbourg où nous allons rencontrer Jivesh Ognou. Il est chargé de cours, mais aussi tout récemment écrivain. Il a lancé en 2022 The Alphabets, un livre dédié à guider ceux qui se sentent perdus. Dans cet épisode, il va nous parler de sa vie, de son parcours et aussi de son livre. Bonjour, moi c'est Jivesh Ognou et je suis habitant de Maïbourg, un petit village côtier dans le sud-est de l'île Maurice. Et c'est là qui me fait l'enseignement, l'éducation. Je suis à l'école Willoughby, qui est beaucoup maïbourgeois dans Maïbourg. Et quand on est au Maïbourg, on est au Maurice connaît. Et ensuite, je fais l'étude au collège Saint-Joseph. Et depuis un très jeune âge, je suis très intéressé par la lecture. D'ailleurs, je suis un membre de CLAC, le centre de lecture d'animation culturelle de Maïbourg. Que je me tiens de volonté et qu'à travers sa bonne expérience là, sa bonne activité là, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de livres, que avec beaucoup de monde qui dans le domaine qui écrit, qui partage un peu de la joie de la lecture et que c'est un peu comme ça qui s'est développé. Sinon pour le moment, je suis un enseignant, un lecteur plutôt en droit dans une high education institution, Rushmore Business School, qui trouve à Sudnac. Justement, raconte-nous un peu sa parcours académique et professionnel là. Comment tu en arrives jusqu'ici? Donc, moi, je commence mon étude à l'école Willoughby qui se trouve à Maïbourg. Ensuite, je complète mon secondaire à QEPIP au collège Saint-Joseph. Donc, déjà là, je suis un professeur qui t'y montre nous l'importance de la lecture, de l'écriture. Je suis beaucoup de camarades qui t'y là-dedans. Donc à l'école, j'ai beaucoup d'activités extrascolaires, par exemple le théâtre et le public speaking. Donc je suis un peu impliqué là-dedans. Et c'est ça qui me permet de développer un peu ça côté lire et écrire là, parce que c'est une affaire de base qui nous besoin quand nous faire une activité comme un théâtre et la prise de parole en public. Donc au niveau collège, je suis bien impliqué dans cette activité là. Ensuite, je fais mon étude de droit en Angleterre. Et après, je retourne à Maurice, je travaille dans le secteur légal et que, finalement, je rejoins le lecturing. Je rentre à Rushmore Business School comme un lecteur en droit. Et justement, parlant d'écriture, tu lances le livre The Alphabets qui est vraiment unique dans la façon qui structurelle, etc. Raconte-nous un peu ce livre-là. The Alphabets, quand il a commencé, c'était un projet qui s'y supposait que je l'ai un point important. Surtout parce que je travaille beaucoup avec mes jeunes, je travaille beaucoup avec mes élèves qui ne fait quitter l'université et que je trouve une direction. Je trouve une direction en termes de carrière, je trouve une direction en termes de qui je tenais envie de faire après et qu'aujourd'hui, tellement d'informations, il est difficile pour nous sélectionner les bonnes informations, les informations qui sont appliquées pour nous, qui sont appropriées pour nous. Donc l'idée, c'était de faire un A to Z qui est un peu comme longtemps, nous tenons une map, le papier, je dis nous dans Google Maps. Donc, si nous avons envie de prendre depuis A pour aller jusqu'à Z, comment nous sommes capables de faire, qui nous besoin faire pour nous arriver là-bas. Et donc, ça a commencé, nous tenons PowerPoint, là, nous avons un mot, un papier, nous avons un article que nous avons écrit pour un magazine, que finalement, un jour, nous prenons forme une conversation, parce que souvent, nous avons une conversation avec mes élèves, avec mes jeunes qui me travaillent dans Rotary, dans Rotarac. Donc, pour moi, c'était une façon pour amener ça dans une manière qui est plus vivante, c'est-à-dire à travers une conversation. Donc, l'idée est de venir pour faire une conversation avec une citation commençant de A jusqu'à Z, de mon auteur connu, et dans une citation de Mahatma Gandhi, par exemple, qui nous tous nous connaît. Et que l'idée, c'était de motiver un peu mes élèves, parce qu'ils travaillent beaucoup avec mes élèves ou mes jeunes. Et comme une chose avec eux, ce qui m'a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une tendance à lire moins. Donc, nous ne sommes pas contents de lire beaucoup, un long texte. Et de là, nous essayons de faire une conversation, une page, des pages, pour qu'il soit digestible. Et que c'est comme ça que l'idée est venue, pour faire un petit livre, avec une petite leçon, une petite affaire qui est intéressante. Avec sa citation là pour accompagner mon texte là dans progression livre. Et en écrivant le livre, qu'est-ce qui est le plus grand source d'inspiration?
Donc, l'inspiration pour l'écriture, une depuis une conversation qui m'a gagné avec mes élèves, avec mes parents, avec mes gens avec qui m'a causé. Et que c'est un peu une façon pour aussi redonner quelque chose à la société. Donc, et on a toujours ce concept de giving back là, ce concept de gratitude là. Donc, pour moi, c'était une façon pour redonner quelque chose à la société. Et que je m'essaie de prendre un peu de mon vécu à travers Maurice, à travers mon étude en Angleterre, pour essayer de gagner des informations et que donner ces informations là à travers sa conversation là. Et que aussi c'est une façon aussi pour montrer une certaine vulnérabilité. Donc aujourd'hui nous pécoche beaucoup lourd la santé mentale et que l'écriture c'est une façon pour rendre nous-mêmes vulnérables. Donc c'est une façon pour montrer sa vulnérabilité là et encouragement du monde pour exprimer ça pour qu'ils ne pas refoule tout ban l'émotion. Donc il y a beaucoup de petites choses qui inspirent moi pour écrire le livre. Et justement parlant de santé mentale, tu aussi une fonde une organisation Mind Matters qui aide bandimoun surmonte ce ban problème mental etc. Parle-nous un peu de le début de ça, comment tu décides pour fondre Mind Matters, c'était quoi la raison derrière, comment ça aide toi et comment ça aide bandimoun aussi. Donc Mind Matters au fait c'est une organisation qui m'a cofondé avec un autre collègue qui ici est un lecteur en droit et nous connaissons de camarades depuis bien longtemps, nous étudions ensemble et que encore une fois à travers une conversation nous trouvait que ben voilà nous bons élèves je peux paniquer, je peux gagner man anxiety attacks, je peux pas penser qui peut arriver qui peut pas arriver avec la COVID, ça commence à accentuer un peu plus. Donc à travers Mind Matters, ce que nous essayons de faire, c'est prendre ban professionnel et mettre un peu plus près avec ban di moun qui peut biser ban professionnel. Parce qu'un des ban causé tabou si je te l'ai, c'est la santé mentale, nous pas trop que ça parce qu'il y a une connotation un peu négative, des fois même péjoratif. Donc nous essayons, comment dire, banaliser un peu le concept de la santé mentale sur l'importance et faire le rapprochement entre man professionnel et man di moun qui bizin sa man professionnel là. Donc nous commençons à organiser man tito, nous commençons à organiser man conférence, man zélevin vini, j'en gagne en l'espace que j'en capable partager. Et aussi pendant la pandémie, nous faisons man conférence online, man webinars, côté nan man di moun depuis Maurice, man di moun depuis l'extérieur, man psychologue, ban professionnel de la santé mentale qui vient partager un peu avec ban jeunes étudiants surtout et que l'idée là dans ban jour qui peut venir c'est focus un peu plus le côté recherche et que vraiment comment dire faire un genre de structure pour qui nous capable donner un accompagnement un peu plus soutenu à ban jeunes surtout ban étudiants au niveau de la santé mentale. Et en grandissant, si toi-même tu tiens un support de la sorte, est-ce qu'il te pensait qu'il te type grandit différemment? Je pensais capable, oui, mais nous bien comprendre aussi que nous héritons, nous avons beaucoup de choses dans l'héritage parmi ban culture, parmi ban façon de penser. Donc ban parents, ban des gens qui étaient là avant nous, je ne fais ce qu'ils étaient capables avec ce qu'ils étaient non. Et aujourd'hui, avec la recherche, avec la découverte, nous peut trouver qu'il y a des affaires qui affectent la santé mentale et qui l'encadrement qui nous tient capable à ces besoins évoluer aussi. Pareil comment nous ban téléphone peut évoluer, pareil comment nous ban frisidée, nous ban microwave peut évoluer, aujourd'hui nous frisidée dans l'écran. Donc nous aussi nous besoin capable évoluer donne ça accompagnement là à nous ban jeunes, mais me penser capable oui si tu es dans plus de dialogue, tu es dans plus d'ouverture et qui vraiment nous tu connais que pour gagner ça ban information là et dans ban kitseuse et dans ban affaire qui parti pour passe inaperçu et tu peux mener un autre type d'épanouissement. Et c'est vrai que aujourd'hui ban jeunes se tenant accès à beaucoup d'informations, est-ce que d'après toi c'est une bonne raison pour laquelle qui les jeunes se peuvent souffrir mentalement? Bon, moi capable dire que et non une possibilité, il est capable un bon facteur qui contribuait parce qu'il vraiment tellement une information overload, mais me penser aussi nous avons beaucoup de distractions et que ça ban distraction là plus ça accès à l'information libre là li fait nous trouve beaucoup d'affaires, li fait nous capable rêve beaucoup d'affaires et que souvent énormément d'affaires qui pas vrai, ban affaires qui nous trouve nek une partie
histoires-là. Donc, si nous, là, par exemple, il y a une caméra qui est capable de zoom le moins et nous mettons une partie. Mais si les zoom out, nous trouvons the bigger picture, nous trouvons une réalité qui est non derrière, qui peut arriver, qui peut pas arriver. Donc, avec ça, genre d'accès à l'information-là, living difficile pour nous vraiment comprendre exactement ce qui peut arriver. Et que oui, quelque part, ça est capable de contribuer à pas de problème qui nous jeunes peut gagner au niveau de la santé mentale. Et ça ramène-nous à la littérature, à l'écriture. Comment est-ce que, d'après toi, tout ça là aide Anjimoun à se sentir mieux? En tant qu'un mental health advocate, il y a un concept qui s'appelle journaling, qui me dit qu'encourage les jeunes comment se pratiquer. D'ailleurs, c'était un des bons tremplins qui me permet moi d'enlever l'écriture et d'enlever la publication. Parce que quand nous commençons cause avec nous-mêmes à travers ça, l'écriture là, quand nous commençons partage l'idée, les affaires qui nous peut ressentir au papier et qui nous gagne une conversation appropriée avec des gens qui bizarre, nous trouver qui est dans un pattern qui peut former, nous trouver qui est dans des affaires qui nous capable faire un petit plus recherche, nous capable causer avec des gens et si c'est une place que ça peut mailler, mais il commence à démailler. Donc, ce concept de journaling-là, qui est l'écriture, il permet de nous tirer un peu, ce qui est non, on danse à l'émotion-là, et mettre l'îlot au papier, et nous capable de faire un tri à ce moment-là. Donc, pour moi, la lecture et l'écriture, c'est des outils qui nous capables de servir, parce que si nous pouvons lire, et surtout si nous connaissons qui nous peut lire, we make the right choices, nous choisissons un livre qui est recommandé. Et on a beaucoup d'informations qui, Benjamin, il prend des années à faire recherche. Et nous pouvons gagner ça comme ça. Nous pouvons ouvrir une page, nous pouvons lire des trois lignes, nous pouvons gagner cette information-là. Donc, c'est une façon pour nous build on the wisdom, si tu veux, nous build on the knowledge qui design, non? Et nous donne nous l'interprétation et que nous servir comme un besoin. Et toi-même, dis-nous un peu comment est-ce que l'écriture et la lecture aident toi. Donc, comment tu peux dire, moi, depuis bien petit, je suis à la bibliothèque souvent. Donc, je peux lire un livre de l'enfance à l'époque, tu sais, un livre de Enid Blyton, je ne connais pas, un jeune pour rappel, tu sais, un livre classique, par exemple, de Shakespeare, de Molière. Donc, tout ça, un livre-là, même une bande dessinée. À l'époque, par exemple, Batman, une bande dessinée Batman, tient beaucoup de facts, tient beaucoup de faits là-dedans, par exemple, de capital, de pays, d'information, de géographie, de pays, d'animaux, etc. Même si c'était une bande dessinée. Donc, à travers sa lecture-là, mon récit commence à comprendre comment je suis capable d'organiser l'information et comment je suis capable, comment je peux dire, tu es là, prends tout ça, knowledge-là. Mettre-le dans mon cas et interprète-le d'une façon que tu le servis moi. Donc, si nous avons posé une bonne question, nous avons redemandé une bonne réponse et que souvent, le fait de poser la bonne question et de trouver la bonne réponse, les adresse une bonne source ou les bonnes conséquences du manac. Et justement, ce livre qui toi, tu écris des alphabets, quand Andimoun lit, qui te super content, lui apprend, lui gagne de ce livre-là. Donc, la conversation entre une maman et son fils, c'est le thème de The Alphabets. Je te cause un peu de tout, un peu de rien, comme on nous dit. Et que c'est une conversation où on a fait de la vie de tous les jours. Et moi, ce qui me dit content et qui gagne gagner, c'est l'ici, l'été, comment il est capable d'avoir une conversation pareille, comment il est capable de répondre à ma question, par exemple, qui me posait, qui sur l'interprétation où on a fait, qui me dit dans le livre-là. Et que portant ça avec man les autres, portant ça avec man Jimoun, même si il pas portant ce livre là, mais man l'idée là, man concept là, c'est une invitation à man Jimoun pour réfléchir, pour regretter un coup qui peut arriver, qui va pas arriver. Donc c'est ça un peu l'idée, l'invitation derrière dans l'alphabet. En tant que lecteur, toi, Andimoun, qui travaille beaucoup avec des jeunes, qui te côtoient tous les jours, si tu as une façon qui te capable d'écrire ça, des jeunes là, ce serait comment? Moi, je peux dire, des jeunes aujourd'hui, j'ai beaucoup de potentiel, et que des fois, il est difficile pour reconnaître ce potentiel là. Aujourd'hui, nous vivons dans les mondes qui ont beaucoup d'opportunités. Nous sommes capables de nous donner un accompagnement justement et nous sommes capables de nous donner des outils qui peuvent aider à développer sa potentiel. Donc, une fois,
ça potentiel là li refoulé, ça potentiel là li ressorti comme ben l'émotion qui est capable de paraître négatif, mais me penser quelque part ben jeune je peux essayer pareil comme nous, essayer de ben réponse à ben question et baser là ce qu'ils ont trouvé, baser là ce qu'ils ont ressenti, baser là ce qu'ils ont vivre et me penser capable il arrive là pour nous ralentir un petit peu, écouter eux et comprendre eux. Finalement, est-ce que tu as quelque chose pour dire à Man Dimoun qui peut guider toi en ce moment? Ben, si moi j'ai une affaire pour dire, c'est tout simplement, et comme je disais, là, ralentir un petit guide et que prendre le temps d'apprécier ce qui nous est non. Souvent, nous pensons à ce qui va arriver après, etc. Que nous oublions, vivre dans le présent. Vous connaissez, nous bien préparer, il paraît difficile, mais si nous relançons nous avec un peu plus d'optimisme, nous sommes capables d'accomplir beaucoup de choses et que surtout continuer à demander une réponse à une bonne question et continuer à poser une question qui vient. River Sing Me Home est un roman poignant et réconfortant d'Eleanor Shearer qui célèbre le lien entre une mère et son enfant, tout en explorant les thèmes de l'amour, de la perte et du pouvoir de guérison de la nature. Le récit s'articule autour de la vie de Sarah, une jeune femme qui retourne dans la maison de son enfance au bord de la rivière après le décès soudain de sa mère. S'efforçant d'accepter cette perte, Sarah trouve du réconfort dans les souvenirs de sa mère et dans les images et les sons familiers de la rivière. Alors qu'elle s'immerge dans la beauté naturelle qui l'entoure, Sarah dévoile peu à peu les secrets qui étaient chers à sa mère. À travers les pages du journal intime de sa mère, elle découvre les défis que celle-ci a dû relever, les sacrifices qu'elle a faits et l'amour profond qu'elle portait à sa fille. Le style d'écriture d'Eleanor Shearer est lyrique et évocateur, peignant des paysages vivants et s'imprégnant des émotions de ses personnages. Elle capture magnifiquement l'essence de la rivière, décrivant ses courants doux, sa flore vibrante et la mélodie apaisante de ses eaux. River Sing Me Home n'est pas seulement un hommage au lien spécial entre mère et fille, mais aussi une réflexion sur les thèmes universels de l'amour, de la perte et de la découverte de soi. À l'approche de la fête des mères, River Sing Me Home est un rappel poignant de la nécessité de chérir et d'honorer les mères de notre vie. Il offre du réconfort à ceux qui ont subi une perte en leur rappelant que l'amour et les souvenirs peuvent transcender les temps et apporter la guérison de manière inattendue. C'est ici que prend fin cette édition de Mosée écrit. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.